Autre application intéressante de principe fondamental de l'hydrostatique, c'est la conception des barrages. Nous avons ici très schématiquement représenté un barrage. Donc nous avons le liquide qui est représenté en gris et puis la surface au sol à part le petit trait vert. On sait, d'après le principe fondamental de l'hydrostatique, que la pression au niveau de la surface de liquide sera relativement modeste et qu'elle va croître au fur et à mesure que l'on s'enfonce à l'intérieur du liquide pour être très importante au niveau de la base du barrage. Et c'est pourquoi il faut, pour compenser la force que va exercer le fluide, construire la paroi du barrage beaucoup plus épaisse en bas qu'en haut. On voit cet exemple illustré ici sur un barrage aux États-Unis.